Que diriez-vous d'un haul maquillage Lidl ? Silver. Alors vous savez que chez Lidl, moi je suis une Madame Lidl, régulièrement j'y passe et là j'ai trouvé la nouvelle collection de maquillage pour le printemps et pour l'été. Alors évidemment je vais vous présenter les nouveautés et vous montrer qu'on peut faire un maquillage complet rien qu'avec ce que l'on trouve chez Lidl. Pour commencer on va faire dans le vernis à ongles. Côté vernis à ongles, pour cet été ils en ont sorti plein. Regardez ces couleurs pétillantes, mais il y en avait plein d'autres. Alors je peux vous dire pour les avoir essayés que ces vernis à ongles sont extra. En plus, je ne sais pas si vous allez le voir, les pinceaux sont un peu larges, exactement comme je les aime. Ils tiennent très très bien, rien à dire sur ces vernis à ongles, ou plutôt si, achetez-les, ils sont bien et ils sont pas chers. Toujours dans les vernis à ongles, j'ai trouvé aussi ceux-là, vous voyez. Alors, il y a le top coat transparent, mais il y a aussi ceux-là, un argenté et un doré, qui permettent là aussi d'apporter une petite touche de peps par-dessus au vernis déjà très coloré. Vous voyez, il y a vraiment de quoi s'amuser pour cet été avec les vernis à ongles de la marque Lidl, la marque Sien. Passons maintenant au maquillage du visage. Eh bien, il y a un fond de teint qui est celui-là. Là, j'ai choisi le Natural Beige. Je l'ai essayé, il est couvrant juste ce qu'il faut. Si vous cherchez un fond de teint très couvrant, il n'est pas très couvrant, mais je trouve que pour cette saison, il est parfait. On trouve également des crayons ombre à paupières. Alors moi, j'en ai choisi deux. Il s'agit d'un bleu comme celui-là. Vous voyez, c'est un bleu gris et un marron glacé, je dirais, qui est comme celui-là, vous voyez. Ils sont tous les deux très jolis. Lorsque vous les appliquez, ils sont fondants, ils s'appliquent très facilement. Et pour faire un maquillage d'été, comme je vous ai montré avec un crayon, ils sont parfaits, ils sont très pratiques et ils tiennent bien toute la journée. Si vous voulez accentuer un peu votre regard, par exemple pour sortir pour le soir, il y a aussi un feutre eyeliner. Regardez sa pointe, elle est facile à utiliser, facile à appliquer. Vous voyez, ça fait un trait fin ou épais en fonction de l'angle avec lequel vous utilisez ce feutre. Très facile. Et là aussi, il tient bien, je vous en dirai que du bien puisque j'ai tout essayé et tout m'a plu, autant le dire tout de suite. Toujours en format crayon, c'est super pratique, les crayons pour les lèvres. Vous avez ces petits crayons pour les lèvres, je vous l'ai dit, ils sont pratiques, vous allez arriver à faire complètement le contour mais les utiliser aussi comme rouge à lèvres. Là, je ne les ai pas achetés, il y avait aussi les rouges à lèvres, donc vous avez plein de coloris très acidulés pour l'été. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là car il est très sympa sur les lèvres. Alors, je vais vous montrer ce qu'il donne sur les lèvres, c'est encore mieux de vous le présenter. Et voilà, deux petits coups de crayon et vos lèvres sont habillées. Puis en plus, ça ressemble un peu à mon petit top. Et si vous voulez un aspect encore plus glossy, vous avez ces petits tubes. Alors, il y en a là aussi de plein de couleurs différentes. J'ai choisi celui qui est transparent, translucide. Comme ça, je pourrais l'accorder avec tous les rouges à lèvres que j'ai sous la main. Vous voyez, c'est un petit tube comme ça avec applicateur. Vous pouvez l'utiliser avec ou sans rouge à lèvres, juste pour hydrater vos lèvres. Il est légèrement parfumé, il est parfait pour l'été. Toujours pour vous donner bonne mine, vous allez trouver deux poudres indispensables. Du blush, là aussi plusieurs couleurs. Là, moi j'ai pris la couleur numéro 2 qui est Nectarine. Voilà, je vous montre ici la couleur. C'est juste ce qu'il faut pour l'été, c'est pas la peine de mettre des couleurs très très voyantes, on est normalement légèrement allé. Là, ça va mettre en valeur votre bronzage. Et ensuite, la poudre bronzante, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous mettrai le lien ici en barre d'infos. Elle est parfaite pour ce prix-là, une poudre bronzante. J'ai pas trouvé de concurrence. Franchement, elle est super. Alors là, je viens de vous présenter un haul des produits que je viens de découvrir chez Lidl. Mais rien ne vous empêche de guetter dans l'année car régulièrement, on y trouve aussi des pinceaux pas très chers. Moi, c'est toujours les mêmes que j'utilise et à chaque fois, j'en achète pour les renouveler. Ils sont vraiment extra.
d'une précédente collection. J'avais déjà acheté d'autres maquillages. J'avais acheté ici le contour anti-cerne. J'avais acheté d'autres ombres à paupières. Une blanc cassé qui me sert également d'highlighter pour le coin des yeux. Une rose. J'avais également acheté ce produit-là qui est en fait une base de maquillage qui peut servir aussi bien sur le visage que sur les yeux. Donc je vous dis, il faut guetter régulièrement, il y a plein de choses. Et bien entendu, on y trouve aussi des mascaras waterproof ou non waterproof. C'est, je dirais peut-être, la seule chose qui est moins bien par rapport à mes mascaras habituels. C'est un bon mascara noir waterproof. Mais c'est vrai que pour celles qui aiment comme moi les cils un peu épais, il n'est pas suffisant. Mais dans la majorité des cas, si vous aimez juste séparer vos cils et les allonger, il est aussi parfait. Alors, que pensez-vous de ce haul de maquillage Lidl sien? Vous voyez, on peut vraiment se maquiller pour pas très cher. Moi, j'ai tout essayé. Franchement, j'ai rien à dire. Peut-être à part le mascara qui, pour moi, n'est pas suffisant. Mais c'est parce que je vous l'ai dit, j'aime bien quand les cils sont très épais, très maquillés. Mais sinon, pour la plupart d'entre vous, ça sera largement suffisant. Le mascara existe aussi bien en waterproof qu'en non waterproof. Mais pour tout le reste, les vernis, les ombres à paupières, le crayon pour les lèvres et le gloss. Moi, j'ai rien à dire, ce petit gloss, je l'ai dans mon sac. Et d'ailleurs, je vais proposer à deux d'entre vous de gagner un petit gloss, le même que celui-là. Et pour cela, c'est par ici, comme d'habitude, dans la barre d'infos, il y aura un lien qui vous permettra de cliquer dessus pour aller jouer et gagner un de ces deux gloss. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, des petits pouces en l'air. Comme d'habitude aussi, des commentaires, mais ça on en a déjà parlé. Et puis comme d'habitude aussi, la petite cloche pour être informé de la mise en ligne des nouvelles vidéos, mais aussi des lives du vendredi à 18h. N'hésitez pas à venir sur les lives, je suis là pour vous présenter à chaque fois un sujet bien particulier, mais vous le verrez, c'est surtout l'occasion de discuter entre nous, on a des fidèles qui sont là, et chaque semaine vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ce live. Alors venez, plus on est de fous, plus on rit. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce maquillage? Moi je dis que c'est plutôt sympa, c'est des tout petits prix et on a de quoi vraiment se maquiller, se faire plaisir. Alors pourquoi s'en priver? Vous voyez, petit gloss, n'oubliez pas, il y a un concours. La poudre de soleil, le blush, ces crayons, alors ceux pour les lèvres, ceux pour les paupières, mais aussi un feutre eyeliner. Puis alors les petits vernis, ils sont pas chers et franchement, ils sont top. Alors, amusez-vous, c'est pas cher. Ciao!